bienvenue à une séance de cinéma pas comme les autres. Nous sommes tous là pour passer un agréable moment ensemble. Le générique de présentation dit presque tout. C'était ce samedi au studio la deuxième séance de Cinéma Différence en partenariat avec la DPI 37, les Elfes et quelques autres associations ayant le souci de mettre en place des projets d'intégration pour les personnes handicapées. Cinéma Différence, association nationale, propose depuis 2005 d'ouvrir les portes du cinéma au plus grand nombre et notamment à un public souffrant de troubles du comportement. L'idée, c'est que le public peut réagir, se lever, bouger, sortir, revenir. Donc il n'y a pas cette sanction sociale, je dirais, habituelle sur une séance où on doit se tenir bien dans son siège et ne plus bouger jusqu'à la fin du générique. Là, on bouscule ces règles-là. C'est vraiment important qu'elle puisse aussi avoir un lieu où elle puisse s'exprimer, voilà, vivre une séance comme tout à chacun. Pour nous, ça nous paraît simple. Mais pour ces personnes, il leur faut vraiment des fois des dispositifs adaptés qui leur permettent, après peut-être dans un second temps, d'arriver sur des séances totalement ordinaires. Et c'est bien là l'objectif. En attendant, le projet L'Art et la Manière, porté par l'ADAPI et l'association Les Elfes, rencontre un certain succès. Il faut dire que c'est une première à Tours. Au niveau national, seules 25 autres villes proposent ces séances un peu particulières, mais forcément source d'épanouissement pour le public ciblé. D'ici le 29 juin, 4 autres films seront proposés toujours au studio. L'opération devrait se poursuivre en septembre 2013.